Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes déjà abonné, welcome back. Si ce n'est pas encore le cas, installez-vous et surtout abonnez-vous. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une journée cosy, en commençant par un brunch express dans un café prêt à manger. J'avais très envie de leur croissant aux amandes et leur smoothie ananas mangue, mais ils n'en avaient plus. Donc, j'ai pris un jus orange mangue à la place du smoothie. J'ai complété cela avec un sandwich saumon crudité et un granola coulis de mangue. Et par ailleurs, leur croissant aux amandes, c'est une véritable tuerie. Je n'en ai pas encore goûté de meilleur ailleurs. Donc si vous connaissez des endroits où je peux goûter un croissant aux amandes qui en vaille la peine, mettez-le en commentaire et dites-moi où me diriger. Et pendant que je savoure ce brunch express, je profite à faire un peu de lecture pendant cette pause. En ce moment, je lis Sorcière, la puissance invaincue des femmes, écrit par Mona Chollet. Après mon brunch express, je fais un arrêt rapide à Sephora et j'ai vu quelques marques que j'aimerais bien tester, notamment Herborian qui a l'air vraiment pas mal. On profite à faire un rapide coucou à nos amis chez Dior. Notre Robin Fenty International est toujours dans la place, ça c'est cool. Juste à côté, y a sa collègue Selena Gomez avec sa nouvelle, je crois qu'elle est une nouvelle marque de cosmétiques Rare Beauty. Et donc une autre marque que j'aimerais bien tester. J'ai vu beaucoup de créatrices de contenu donner de bons avis sur la marque Fraîche, donc à voir ce que ça donne. Je pense qu'un de ces quatre, je la testerai et je vous dirai ce que j'en pense. J'ai enfin trouvé ce pourquoi je suis venue à Sephora. Bon, c'est parce que j'avais besoin d'une nouvelle pince à épiler. Après Sephora, l'arrêt suivant était pour la Fnac. Donc je n'avais plus d'écouteurs depuis un moment et il m'en fallait de nouveau parce que j'aime bien alterner entre le casque et les écouteurs. Enfin, surtout les écouteurs main libre. J'ai hésité entre les AirPods 2, les mêmes que ceux que j'avais avant, et les AirPods 3, donc qui sont a priori mieux niveau son et autonomie. La promo sur les AirPods 2 était très très intéressante vu la différence de prix entre les deux produits, mais j'ai finalement opté pour les AirPods 3 parce que investissons dans la qualité et sur le long terme.
Je me fais un petit bain de soleil pour profiter des derniers beaux jours d'été avant le retour de l'automne. Et surtout, pensez à bien appliquer votre crème solaire. C'est très important. La balade dans Paris s'achève par le retrait de mes courses pour la semaine. À chaque fois que je viens ici, j'aime bien m'arrêter quelques instants sur le pont et profiter de la vue. Et comme souvent, il y a des parties de pétanque pas loin du lieu de retrait. Pour une grande partie de mes courses alimentaires, j'utilise le service monmarché.fr. On peut y commander de la viande, du poisson, des légumes et autres pour se faire à manger. Et il y a même du manioc et des tubercules et de la banane plantain. Donc moi je l'utilise beaucoup parce que ça me fait gagner en temps pour mes courses puisque j'ai juste à commander en ligne et je vais récupérer directement le jour du retrait. Les produits sont de très bonne qualité je trouve et les prix sont plutôt corrects voire même avantageux parce que moi, en tout cas moi j'ai l'impression que je fais des économies sur le long terme. Voilà, je vous mets en barre d'infos mon lien de parrainage pour bénéficier d'un panier découverte à votre première commande. Donc il y avait un problème de transport ce jour-là et je n'avais absolument pas envie de me battre avec le RER. J'ai pris un VTC pour rentrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Salut!